Christine Angot se fait sévèrement attaquer sur les réseaux sociaux suite à son clash avec Sandrine Rousseau dans On n'est pas couché. Léa Salamé, ex-chroniqueuse de l'émission, a pris la défense de l'écrivaine. La séquence a fait polémique. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans On n'est pas couché, Christine Angot s'est montrée particulièrement violente avec une des invitées, Sandrine Rousseau. L'élu écologiste, qui venait évoquer le sujet ô combien difficile des agressions sexuelles, a été particulièrement malmené par l'écrivaine et Yann Moi, qui lui ont tiré des larmes. Un moment jugé humiliant par bien des téléspectateurs, plus d'un millier d'entre eux a signalé l'émission au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tout comme Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont été extrêmement durs avec Christine Angot. Pour Léa Salamé, invitée ce lundi soir dans Quotidien, ces attaques sont sans doute en partie dues à un manque de contexte. Christine Angot a été violée par son père, a-t-elle rappelé. C'est une femme qui n'est que colère, indignation et souffrance, point notamment sur ce sujet-là, qui est extrêmement épidémique et sensible chez elle. On voit deux indignations, deux sensibilités, deux colères, de deux femmes qui ont été l'une agressée sexuellement, et l'autre violée par son père. Je ne peux pas me prononcer sur ces deux violences-là. La journaliste, qui a été chroniqueuse dans On n'est pas couché, estime que cette séquence ne remet pas en cause la présence de Christine Angot dans l'émission. C'est une émission extrêmement dure, a-t-elle reconnu. Le dimanche, tout le monde ne parle que de ça, vous êtes insulté. Fermez les guillemets, Léa Salamé la soutient d'ailleurs depuis le début. Quand elle a appris son recrutement, elle a même félicité Laurent Ruquier. J'ai envoyé un texto à Laurent en lui disant « Super idée, Angot », a-t-elle raconté. Laissez-la faire ses preuves. On adore casser les chroniqueurs de Ruquier. Vanessa Burgraff a énormément souffert l'année dernière, moi, au début, aussi. Fermez les guillemets, il faut juste, selon elle, laisser du temps aux nouveaux arrivants. Laissez Angot s'installer. Parce qu'elle a des choses à dire, Angot, a-t-elle assuré. Elle a des aspérités, c'est une femme qui a quelque chose à dire. Fermez les guillemets.